Merci. Putain, j'en ai tellement bavé, moi. Bravo, bien joué, bien joué, bien joué. C'est trop bien, bravo, c'est trop fort. Merci, c'est trop chouette. J'en ai tellement bavé depuis 2 ans. Je pleure parce qu'en fait, il y a 2 ans, j'ai une très mauvaise saison. J'ai cru que j'allais arrêter le golf, en fait. Et quand j'ai commencé à bien jouer en 2020 et il y a eu le Covid, et en fait, je me suis entraînée depuis 2020, je m'entraîne comme une dingue, comme je me suis toujours fait, mais différemment. Et j'ai joué aux US cette année, une pleine saison, sans plus ou moins le Covid, mais avec. Et j'ai bien joué, et là, je reviens en France. Enfin ouais, je suis émue quoi, genre, ça fait 2 ans, il y a 2 ans j'ai vraiment galéré et là je souffre quoi parce que j'ai dit à tout le monde, enfin faites-moi confiance, enfin tout va dans mon sens, je reprends confiance et ouais, et je pense que c'est un bon exemple pour tout le monde de toujours croire en soi, de suivre ses rêves et... Ouais, ouais, j'ai pas d'autre mot à dire que ça, de toujours se faire confiance et de pas douter de soi. C'est mon premier tournoi pro, donc je gagne. Et petite anecdote, la dernière fois que j'ai joué moins 6, et la dernière fois que j'ai joué moins 6, j'ai gagné. Et là, je rejoue moins 6, et hier, j'ai dit c'est un signe et faut que je gagne. J'ai pas le droit. Et en 7 mois, j'ai joué 3 fois en dernière partie, j'ai failli gagner une fois aux US. J'ai appris j'ai appris de ça. En France, juste avant que je parte aux US au mois de novembre, j'ai perdu en play-off, j'ai appris de ça aussi. Et aujourd'hui, j'essaie de ma revanche en fait de mes 2 victoires que j'ai pas pu faire, que j'ai pas à conclure et que j'ai conclu aujourd'hui. Voilà, on peut l'applaudir, c'est son premier tournoi professionnel.